quand c'est pas le fait. Ça n'est pas une cloche, c'est une sacrée galance. Dans les gobelets sont de drôles de pistolets. S'il faut faire la combatte, trouvez-en qui les battent. Ce que préfère gobelet, c'est toujours un bruit de lait. Sans les gobelets sont de drôles de pistolets. Sans les gobelets sont de drôles de pistolets. Une machine comme ça, je suis le premier à l'inventer. Pas une banane, alors. Pas quoi? Je cherche. T'as dit qu'on peut devenir ce qu'on veut avec ta machine. C'est ça. Tout ce qu'on veut? Tout ce qu'on veut, à condition, évidemment, de posséder l'objet. Mais c'est justement ça, on n'a pas de banane. Tiens, suppose, par exemple, je sais pas moi que tu veux devenir, Tiens, ce tournevis, par exemple. Qu'est-ce que tu fais? Tu déposes le tournevis de ce côté, et toi, tu t'assois de l'autre côté. D'accord. Mais non, toi de là, tu veux devenir un tournevis? Oui, non, pas du tout. Bon, alors, je suppose que tu veux devenir un tournevis. Donc, le tournevis de ce côté, toi, de l'autre côté. Et qu'est-ce que fait le petit gobelet, alors? Je sais pas, moi. Il met la machine en marche. Et yop, il pousse la manette de ce côté. Et alors, résultat, qu'est-ce qui se produit? De ce côté-là, plus de sol. Oui, alors. Et de l'autre côté, le tournesol. Non, sol est devenu un tournevis. Bonjour, sol. Bonjour. Extraordinaire, alors. Je vais mettre la dernière main à mon ouvrage. Oi. Qu'est-ce qu'il y a? Tu me torsionnes la crécelle. Il se prend pour mon tournevis. C'est vrai, ça. Plus de tournevis, alors. Ça fait trop mal. Plus de bananes non plus, on en a plus. On en a pas. Quoi faire? Tu veux devenir une banane? Je cherche, oh. T'es drôle. C'est dur de vivre avec une galoche. Une banane. Galoche? Une banane? Je ne sais pas, moi, tu n'as rien compris. Suppose que je te change en un fruit. Hein? Quelqu'un peut rentrer qui l'ignore, et alors? Fini, sol. Avalé, digéré. Je ne sais pas, moi, je cherche quelque chose de plus intelligent. T'as raison. Je l'ai. Hein? Un métro. Je veux devenir un métro. Stop! Terminus, tu m'agaces les nerfs. Oui, alors. Tu veux pas que je devienne un métro? C'est pas possible, y a rien compris. Ça va, hein? Ça suffit. Stop! Ça va, je veux bien te changer en métro. Tu es bon pour moi. Oh oui. Seulement, je vais te faire faire un tour gratis. C'est ça. Seulement, il va falloir que tu ailles chercher le métro, n'est-ce pas? Qu'on l'installe sur le fauteuil. Et alors, à ce moment-là, moi, je vais pouvoir mettre la manette en action. Bouge pas. Je vais le chercher tout de suite, alors. Oi, gobelet. Tu voudrais pas m'aider à le transportouiller? C'est lourd, un métro, alors. Une galoche. Hein? Je vais te changer en galoche? Oh, non, gobelet. Je t'en supplie, pas en galoche. Oh, change-moi en le quoi? Le réveil mutin, là. Mais pas en galoche, je t'en supplie. C'est pas une mauvaise idée, ça. C'est joli, un réveil matin. Je pourrais entendre battre ton cœur. C'est vrai. Quand tu sonneras, je me dirai, tiens, il me parle. Tic-tac, mon cœur. Tic-tac, mon cœur. Mon cœur. Et si tu oublies de me remonter, pauvre petit moi? Ça fait rien, de toute façon, tu sais pas l'heure. C'est vrai, ça. J'ai jamais su, j'ai jamais appris. Va le chercher. D'accord. Voilà, dépêche-toi, j'ai très énormément hâte. Donc, le réveil de ce côté-ci, ouais. Toi, de l'autre côté. Tu es prêt? Je suis prêt. Allons-y. Non, minute, une seconde, je suis pas prêt. Qu'est-ce que tu sais? Pourquoi t'enlèves ton manteau? Je veux pas que mes petites aiguilles se sont mêlées là et dans mes grandes mains. C'est pas nécessaire, remets ton manteau, allez. D'accord, te fâche pas. Bon, ça va, cette fois, ça y est. On y va. Oh, minute. Qu'est-ce que c'est encore? T'énervouille pas, alors. Je suis pas prêt. Il faut pas que tu oublies de tirer le petit bouton, autrement je vais pas pouvoir sonner. Arrête! T'énervouille pas. Je suis prêt. Il y a quelque chose qui va pas. Dring, tic-tac, 1 heure, 2 heures, tic-tac, 3 heures, tic-tac, 40 heures, dring. Assez. À la bonne heure, aviateur. La ferme. Tracteur. Cultivateur. Rageur. Tic-tac.
défonceur. Ça suffit. Tu es dur pour ton petit réveil mutin, tu sais. Il y a quelque chose qui ne va pas, mais je sais où est le mal. Je vais le réparer. Attrape. Pauvre petit réveil, viens avec moi. Sois patient. Là, comme ça. Tout à l'heure, je vais aller te rejoindre. Tu vas voir, ce ne sera pas long. Gobelet réparation de la machine. Ah, ça y est, j'ai trouvé. Tu vois, qu'est-ce que je te disais. Ça m'a marché. Bravo. Et tout ça, grâce à qui? Grâce à Bibi. Youpi. Ça y est, elle marche. Sol. Sol. Oui. Oh, le petit peureux, il est parti se cacher. Allô, Gobelet comme du lait. Allô, Isabelle comme du lait. Comment va mon inventeur préféré? Oh, ta merveille. La vie est bonne comme de la confiture. Mon invention, ma machine, elle marche. Non. Ta machine à faire du chocolat? Non, pas celle-là. Alors ta fusée interplanétaire? Non, c'est une machine, tu vois. Tu vas tout comprendre, je vais faire ma première expérience devant toi. Si seulement je peux retrouver Sol. Sol. Oh, ça va pour toi. Quelle est belle ta machine. N'est-ce pas, hein? Tu vois, je devais mettre le réveil de ce côté-là, Sol s'assoyer ici, et alors... Sol. Sol, se pourrait-il que ce soit toi? Oh, petit malin, je t'ai cherché partout. Alors, comment te sens-tu en réveil matin? Hein? Réponds-moi. Ah, je comprends, il est tout démonté. Gobelet, tu te sens bien? Elle me croit fou. Ça t'épate, hein? C'est Sol, tu peux lui dire bonjour. Gobelet, t'es sûr que tu voudrais pas te reposer un petit peu? Écoute son cœur. Ça fait! C'est gentil, hein? Écoute, j'en ai assez que tu me prennes pour une idiote! Tu ne me crois pas, je le sens! Mais c'est très clair. Son cœur, sa voix, dring, dring, tic-tac. Écoute, Isabelle, je vais te le prouver que c'est vrai. Tiens, regarde bien, je vais le mettre là et je vais le faire revenir. Regarde bien. Bon. Regarde, tu vas voir, Sol va apparaître. Regarde. Attends, y a quelque chose qui va pas. Attends. Là, ça y est. Y a quelque chose qui va pas, je comprends pas. Non, je sais, Sol, ça va, ça suffit, calme-toi. C'est effrayant, je n'arrive pas à trouver ce qui va pas. Attends une minute. Je vais trouver, voyons, un petit mouton ici, l'autre là. Il s'agit d'agiter la manette de ce côté-là. Non, je t'en supplie, Sol, arrête de gémir comme ça, je peux pas me concentrer, moi. La séance est bientôt terminée. C'est effrayant, Isabelle. Écoute, ça m'amuse plus. Je comprends pas, moi. J'étais venue ici pour causer un petit peu avec toi, puis tu fais toutes sortes de folies. Assieds-toi. Tiens, cause-moi. Hein? Je comprends rien. Pourquoi t'as fait ça? J'ai rien fait du tout. C'est pas drôle! Tiens! Oui. T'as entendu? C'est la voix de Sol! Oh, mais non! Tiens! Il a pas sonné! Mais il a pas sonné, il a crié! C'est pareil! Sol, où est-ce qu'il a bien pu se lâcher celui-là? Sol! Allez, mon petit Sol! Je comprends rien, moi. Donne-moi le réveil, je vais recommencer. Ah non, pour une fois qu'on est d'accord, tous les deux. Oui, mon petit Sol, oui.
Gobelet, je sais pas ce que tu vaux comme inventeur, mais pour ce qui est de te ramasser par terre, alors là, champion! Je vais mettre la machine en route. Non! Sois gentil avec Isabelle. En voilà une façon pour une chaise comme il faut de se comporter. Tu te conduis comme un télésiège. Un peu de tenue. Quand quelqu'un veut s'asseoir, on bouge pas. Bon, je vais essayer pour voir. Bouge pas. Arrête ça! Ça suffit! Allez. Allez, ma belle petite chaise. Viens. Viens par ici. Viens, comme ça. Oui, viens jusqu'ici. Ça y est! Je peux y aller. Sol! Oui, alors, pauvre petit moi, pauvre petit moi-même. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Tu le demandes, vilain. Mais tu te fais mal. Oui, alors tu parles. J'ai les barreaux tout abîmés, j'ai le siège défoncouillé. J'ai le dossier en crampons. Gobelet, ça marche! Gobelet, t'es un vrai génie. Qu'est-ce qu'il a, le petit sas à maman? Il veut manger, lui, au petit sas. Oh, il te chatouille. T'es fin, toi, j'aime donc, lui. T'as fini de me crier des bêtises? Quoi? Les dauphins, le petit sas à maman, c'est vrai, ça? Mais j'ai bien le droit. Je me tue, je m'éreinte pour inventer une machine extraordinaire. Mais comme ça n'a rien à voir. Bon, ça va, hein? Qu'est-ce qu'il a, le timide? Elle se prend vraiment pour sa mère. Gobelet, t'es jaloux? Oui, elle a bien le droit, alors, la pauvre. Oui? Elle veut jouer à la chatte, mais je vais lui en donner l'occasion. Ah ben, dis donc, Sol, va chercher le lait. Oui, Isabelle a raison, ce pauvre petit minou, il doit mourir de faim. Ça, c'est une bonne idée. Gobelet, t'es donc bien fait. Donne-moi le chat, Isabelle, je vais m'en occuper. Oh, là, il va te mordre un peu, tu vas voir. Tiens, toi, viens t'asseoir ici. Et que je suis contente. Qu'est-ce que c'est que ça? Tiens, ça, c'est rien. C'est la machine, mais je vais l'éteindre. Voilà, j'ai le lard. J'ai le lait, je veux dire... Oui, Isabelle, alors! Oh. Allez, donnez manger à petit sassa, Isabelle, allez! Oui, Isabelle, pauvre petit! Bouge pas, je vais tout réparationner, alors! Qu'il arrête de rire! Je vais kiffer à mort! Méchant comme il est, pas comme tu l'es, comme tu l'es! Et pourquoi pas comme tu l'es après tout? Je vais lui jouer un tour dont il se souviendra longtemps. Je me souviens alors, je me souviens, c'est le petit bouton rouge.
Bon, vas-y, petit chat. Allez, là. Oui. Oui, Isabelle. Oui, Graf. Ça alors. Vilain petit chat. Oh, il a disparitionné alors complètement. Oui, que ça va mal, que ça va mal, que ça va pas mal. Qu'est-ce que je vais faire? Mini, 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 où tu es? Oh, reviens voir ça. Oh, quoi faire, quoi faire? J'ai une idée vermoulieuse. Ça y est, ça y est, ça y est, mini, 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 mini. Viens manger le boulélé. Mini, 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 mini. Où il est alors? Gobelet, Gobelet, viens m'aider alors. Il faut retrouver la petite chat. Isabelle, je veux dire le chat. Oh, tu es rendu là. Ça, c'est gentil alors. Viens, beau petit chat. Viens manger le boulélé. Glou-glou, au secours. Au secours. Allons, monsieur Gobelet, comme tu l'es, ne vous agitez pas comme ça. Vous allez sourire. Miaou. Je t'en supplie, Glouglou, Isabelle Glouglou, ne me mange pas, Glouglou. Si je veux, miaou, 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 je suis pas pressée. Glouglou, au secours, Glouglou. Oh là là, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est? Tu veux pas manger, hein? Il veut pas manger, il a pas faim, c'est sûr. Je veux... Hey, où il est? Mini, mini, oh, il a disparitionné encore. Sûrement qu'il se cache quelque part, mais bien. Oh, mini, mini. Je sais quoi, peut-être il est caché sous la petite commode. Oh, il va là, il va là, il va là. Où es-tu alors? Oh, mini, mini, mini. Mini, mini. Menou, 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 menou. Ah! Et toi, je l'ai trouvé alors, caché derrière et le terrain. Viens, mon petit mini. Mini, mini. Hein, qu'est-ce que tu dis? Miaou, miaou, miaou. Tu veux me parler? Oh. Non, non, tu me chatouilles alors. Hein? Qu'est-ce que tu dis? Miaou. Gobelet? La bouteille de lait? Oh, bouge pas de là, petit, je m'en occupe tout de suite. Miaou. On va bien rire, vous allez voir. Alors, qu'est-ce que ça tend, espèce de galoche? T'es tout petit. T'es tout petit, t'es tout... Évidemment que je suis tout petit. Tout le reste est dans le plat à vaisselle. Allez, grouille-toi. D'accord, d'accord, j'y vais tout de suite. Et si t'en échappes une seule goutte, t'auras affaire à moi, hein? D'accord. Ah! Au secours! Au secours! Pauvre, pauvre petit gobelet, alors. Vilain chatouille, il est parti. Ah, c'est toi, vilain Isabelle, qui a fait ça. Et regarde-moi, c'est pas le temps de faire semblant de dormir. Oh. Hein, qu'est-ce que tu dis? Hein? Miaou, miaou, oh. Miaou, miaou, miaou. Oh, ça, d'accord, 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 c'est une bonne idée. Tu vas pouvoir m'aider comme ça. Bouge pas. Oh, oui, allons. Oh. Miaou, 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 miaou. Hein, qu'est-ce qu'elle dit? Je veux dire, pas une seconde à perdre, va chercher le lait. D'accord, le lait, tout de suite. Pauvre petit gobelet. Ah! Le chat! Oui, alors. T'as vu? Une seconde de plus et ça y est, c'est proche. T'as pas honte, alors, vilain petit mangeur de meilleurs camarades. Oh, 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 le vilain chat, le vilain, le vilain. Oh. N'aie pas faire peur comme ça, pardonne-moi. Gobelet. Gobelet, je t'en supplie, réveille-toi! Ça y est, j'ai le là, j'ai le gobelet. Laisse faire, laisse faire. Donne. Non. Attends, une chose à la fois. Bon. Va chercher l'entonnoir. L'entonnoir, l'entonnoir. Vite, dépêche-toi. J'arrive. Voilà, qu'est-ce que je fais? Ah, on va le verser dans la pente. Dans la bouteille. Sans en échapper une petite goutte. Voilà, voilà. Oh, pauvre gobelet. Pauvre gobelet. Il a dû avoir tellement peur. Oui. Oh, ça coule des gouttes à terre. Oh, faut pas perdre une goutte. Tiens. Voilà. Ça alors maintenant, tout est prêt, on peut y aller. D'accord, d'accord. Comme ça.
Goblet. Stop. Qu'est-ce qu'il y a? Mon bouchon. Oh, c'est vrai, alors le voici. Espèce de galoche. Mais remets-le sur la bouteille. C'est vrai, je suis bête. Bon, alors on recommence. D'accord, d'accord. Comme ça. Le petit bouchon sur la bouteille, ça y est. Tu es bien là, tu l'as, ton petit bouchon. Je pense que jamais il ne me le pardonnera. Oh, tu parles, il était furieux, il avait l'air. Bon, enfin, c'est ça maintenant. Seul, j'ai une idée. Oui, où ça? Va voir à la porte. À la porte, d'accord. Et alors? Qu'est-ce que tu vois dans le couloir? Il n'y a personne. Mais non, à terre, près des portes. À terre, près des portes, il y a toutes sortes de bouteilles de lait. C'est ça! Amène-les ici, on va les vider dans des seaux. D'accord, puisque tu le dis, alors. Il a toujours regretté d'être petit. Oh, que je suis contente! J'ai été bien vilaine avec lui. J'espère qu'il va me pardonner. Dans un sens, c'est dommage qu'il grandisse. Parce que je l'aimais bien comme il était. Allons, Isabelle. C'est pas pour toi que tu travailles, c'est pour lui. Je vais aller plus vite que je peux, alors. Tu vas voir, il va être tellement heureux, ça vaut la fatigue. Achèves-tu? J'achève. Voilà, c'est fini. C'est fini. Moi, je suis toute fatiguée, alors. Ben, allons-y. Oh, oui. Allez. Goblet! Goblet, alors! Oh. Ouh. Oui, oh. Sans costume! Oh, qu'est-ce que ça veut dire, alors? C'est la cuve, ça doit être la cuve. Oh, oui, tu parles. Oh, regarde ça. Oh, la fumée? Ça fume? Ça va sauter? C'est dangereux! Adieu, Isabelle. Mais qu'est-ce que tu fais? Le chat, alors, pauvre Goblet, il se prend toujours pour une bouteille de lait. Oh.